Ce qu'il faut savoir avec Groove Agent 4, comparé à la version SE4 fournie avec Cubase Pro 8 par exemple, eh bien c'est que l'on peut utiliser Groove Agent 4 en version standalone, c'est-à-dire sans avoir besoin d'un séquenceur. Ça peut être intéressant pour du live par exemple. Et nous pouvons utiliser Groove Agent 4 en tant que plugin dans n'importe quel autre séquenceur car il est disponible au format Audio Units, VST et AAX. La preuve ici, je l'utilise dans Live 9. Regardons tout d'abord comment charger un kit. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Une des façons, c'est de cliquer ici pour Load Kit. Nous sommes amenés sur cette fenêtre qui est une fenêtre flottante et redimensionnable. Donc ça, si vous avez un deuxième écran, ça peut être intéressant. Et ceux qui connaissent Cubase Pro 8 ou même Cubase 7.5, hein, vous avez l'habitude, eh bien, de ce browser spécifique à Cubase tel que la MediaB. Alors ce que l'on peut faire, c'est cliquer ici. Et voyez qu'on nous propose eh bien, soit tous les agents, le Rock Kit, le Studio Kit et le Vintage Kit. Vous voyez, comme j'ai Groove Agent SE4, j'ai aussi le Groove Agent SE Studio Kit. On a également le Beat Agent, ici avec Kit, ainsi que le Groove Agent One, les sons issus de Groove Agent 1. Nous avons le percussion agent avec le standard kit et l'on retrouve le beat agent ici avec Rock Pop Toolbox. Bien sûr, vous pouvez également sur le site de Steinberg acheter d'autres packs pour Groove Agent 4 qui sont disponibles. Très bien, cliquons dans un espace vide pour revenir à la fenêtre précédente. Et alors, il y a une chose plutôt importante, c'est l'icône tout en haut à droite ici qui permet de charger un kit avec eh bien, ses patterns. Donc, si ça s'est activé, vous allez charger un kit avec ses patterns. Si vous désactivez ça, vous allez charger juste le kit sans les patterns. Alors, si je minimise un petit peu la fenêtre, on a également, vous voyez, l'indicateur ici, eh bien, de load kit avec, de charger le kit avec les patterns. Si je désactive ici, il se désactive également ici. Justement, chargeons un kit sans le pattern. Donc, je désactive l'icône ici. Et puis, je vais choisir un kit qui s'appelle In the Pocket. Donc, il suffit soit de double-cliquer, soit de faire un glisser-déposer depuis cette fenêtre jusqu'ici. Donc, je vais double-cliquer. Le kit est en cours de chargement. Je vais fermer cette fenêtre maintenant. Donc vous voyez mon kit ici. Et comme je vous le disais, quand je clique sur Pattern, vous voyez que je n'ai pas de pattern chargé avec mon kit. Par contre, dans Instruments, j'ai bien ma batterie virtuelle. Alors pour afficher l'interface de la batterie, il faut se rendre dans l'onglet Edit et puis Main. De plus, vous voyez ici un clavier virtuel que l'on peut afficher ou ne pas afficher avec cette icône. Nous avons ici 16 pads qui déclenchent des sons. Alors vous voyez les noms des éléments, hein, le kick, sidekick, snare, clap, etc. Et sachez que ces pads sont sensibles à la vélocité, c'est-à-dire quand on clique en bas ici, on a une vélocité faible. Et plus je clique en haut, plus j'ai une vélocité forte. On peut également cliquer sur l'interface ici pour déclencher les sons, si je veux mes claps. On peut également jouer sur le clavier virtuel ou sur notre clavier maître MIDI. Alors, ce que je vais faire, je vais retourner dans mes kits et je vais recharger le même kit, mais ce coup-ci en activant le mode pattern.
j'ai toujours mon kit qui est le même avec le preset in the pocket, mais maintenant quand je vais dans pattern, vous voyez que j'ai des pads avec des patterns, des couleurs. Si je clique dessus, eh bien je lance un pattern qui joue les sons de mon kit. Donc là, différents patterns main, différents fils en bleu. Je peux également sélectionner un pattern et faire play ici. Vous voyez que je n'ai plus besoin de rester appuyé avec la souris sur le pad. Et je peux faire stop ici. Pour supprimer un kit, eh bien c'est tout simple, là aussi plusieurs façons de faire, soit un clic droit, vous voyez, en sélectionnant ici la petite vignette et faire Remove Kit, soit venir également ici, toujours clic droit, et faire Remove Kit. Donc là, je n'ai plus l'interface car je n'ai plus de kit chargé. Et pour charger un kit, on a vu tout à l'heure la méthode ici, on peut également aller dans Load, ici. On a le choix entre la Media Bay et le browser. Dans ma Media Bay, je peux venir ici, choisir eh bien, tous les agents, faire une recherche par exemple dans Pop, et puis Pop Rock. J'ai mes résultats en dessous, et vous voyez que je retrouve mon In The Pocket, que je peux de nouveau recharger. Revenons dans notre mode instrument et edit pour vous montrer une chose aussi assez importante tout de même. C'est ici tout à droite, on a le choix entre deux types de résolution pour nos samples chargés, soit en 24 bits, là c'est vraiment de très très grande qualité, soit passer en 16 bits, la qualité est un peu moindre, mais toujours quand même au rendez-vous, mais par contre, vous allez moins solliciter votre ordinateur, vos ressources CPU, processeur et votre RAM. Nous avons vu comment charger un kit avec pattern d'ici. On peut également faire un clic droit sur l'étiquette et faire eh bien, Load Kit ou Load Kit with Pattern. On retombe toujours sur notre fenêtre et il suffit de chercher un kit par mot-clé. Donc ça, ça fonctionne par type de filtre. Si je veux par exemple Blues, eh bien, vous voyez que j'ai un substyle et un résultat. Je peux de plus eh bien, dire je veux chercher eh bien, dans l'Acoustic Agent Vintage Kit. Donc là, voici les styles et les substyles disponibles. En reggae, voilà, ska, eh bien, j'ai deux résultats et je peux choisir un des deux. J'aimerais revenir un petit peu sur l'interface ici des pads. Vous voyez que en dessus de chaque pad, il y a une petite barre orange et également ici au niveau des 8 emplacements. Alors, à quoi correspondent ces emplacements? Eh bien, ce sont 8 emplacements contenant chacun 16 pads. Et voyez ici sur le 1, par exemple, je n'ai pas de petite barre orange. Donc, si je clique dessus, cela signifie que tous mes pads sont vides. Je n'ai aucun sample, aucun son attribué à ces pads. Par contre, ici, sur le deuxième emplacement, vous voyez que j'ai une petite barre orange. Si je clique, eh bien, j'ai, par exemple, un son ici, un autre là, ici, ici et ici. Par contre, sur certains autres pads, vous voyez que je n'ai pas cette petite barre orange. Eh bien, cela signifie que mes pads ne contiennent pas de sample, ne contiennent pas de son. Là, sur le troisième emplacement,
c'est l'emplacement par défaut. Quatrième emplacement, eh bien là aussi, j'ai certains pads avec des samples. Sur le cinquième emplacement également. Et là, je n'ai pas de son. Sur le sixième, eh bien, c'est tout vide. 7, c'est tout vide. Et 8, c'est tout vide. Et c'est le même fonctionnement pour nos patterns. Vous voyez que là, je suis sur le deuxième groupe, deuxième emplacement. Je peux lancer mes patterns. J'ai des mains et des fills. Mais vous voyez que sur l'emplacement 1, eh bien, j'ai aussi des patterns, ici en rouge pour les fins, en vert pour les intros, et ici, vous voyez que ces emplacements sont vides. Par contre, sur le groupe 3, 4 jusqu'à 8, je n'ai plus rien car je n'ai plus de petites barres orangées. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est ce petit chiffre ici qui compte les temps. Donc si je mets play, 1, 2, 3, 4, donc une mesure, deux mesures, trois mesures et quatre mesures. Et ensuite, ça redémarre. Si je décide de changer, regardez ce qu'il se passe. Vous voyez que cela continue, cela ne reprend pas la mesure 1 à chaque fois que je reclique. Donc ça, c'est vraiment très sympa pour faire des transitions qui soient logique, calé. Revenons maintenant dans nos instruments, dans la fenêtre Edit Main. Donc vous voyez que nous avons l'interface. Si je choisis par exemple la snare, la caisse claire, vous voyez que quand je clique dessus, eh bien, j'ai une petite fenêtre transparente qui apparaît avec le nom eh bien, de mon objet de batterie, ici la snare, la caisse claire. On a deux types de snare, donc la snare A ou la snare B. Vous voyez qu'elles ne sonnent pas tout à fait pareil. De plus, je vais pouvoir jouer sur la room, c'est-à-dire les micros d'ambiance, avec un taux de room ici. Donc ça, c'est les micros de la pièce. On a les micros overhead. Ce sont deux micros qui sont placés en haut de la batterie. Donc en activant, on va pouvoir entendre plus ou moins d'autres éléments de la batterie. Et le master bleed, eh bien justement, c'est ces repices, qu'on appelle ça des repices de batterie, c'est-à-dire que le micro qui capte la caisse claire va aussi capter eh bien, un petit peu de charlet ou de kick. Donc là, on peut définir le niveau de repices de ces micros. On peut faire commande-clic pour remettre les paramètres par défaut. Sur la section de droite, on a un tune pour un accordage. Donc ça, pour accorder vos batteries, c'est top. On a un paramètre d'enveloppe ensuite au niveau de l'attaque. Vous voyez qu'on retarde l'arrivée, l'attaque du son. Un hold. Et un decay. Alors ça sera plus utile par exemple pour des cymbales. Et comme je vous le disais, si je choisis une cymbale, eh bien vous voyez que la fenêtre se met à jour. J'ai le choix d'un chuck, on en reparlera plus tard, les chuck group. On a la room et les overhead. Et sur chaque élément, comme ceci, on aura une fenêtre eh bien, avec les réglages qui concernent l'élément. Une des particularités des forces de Groove Agent 4, c'est que l'on a 4 emplacements, jusqu'à 4 tout du moins,
Et regardez, un des principes simples, je sélectionne le deuxième. Je fais « Load ». Ici, je clique sur « All Instruments Set ». Et je vais charger eh bien, un kit et un pattern de percussion. Si, je vais prendre ceci, je vais prendre Cuban Ghetto. Je double-clique. Et le kit et les patterns se chargent dans ce deuxième emplacement. Donc là, j'ai mon kit de percu. Hein. Si je mets play, eh bien, voyez, j'ai mon kit acoustique et mon kit de percu. Et bien sûr, je vais pouvoir, et ça on va en reparler plus tard, avec le mixeur, eh bien, faire des choses, des réglages de volume, de panoramique, etc. Donc c'est plutôt intéressant le fait de pouvoir combiner comme ceci jusqu'à 4 kits différents. Avec ce principe, je peux maintenant aisément me rendre dans mixeur ici, dans kit, et là vous voyez que j'ai mes deux kits, le kit in the pocket, enfin le preset, et le Cuban Ghetto, eh bien je peux, vous voyez, descendre un peu mes percus si je veux. Je peux également mettre en solo. Ou en mute. Et j'ai également le panoramique. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Bien sûr, les deux autres tranches ici seront dédiées eh bien, au kit numéro 3 et kit numéro 4. Il faut savoir également que l'on peut passer d'un preset au preset suivant avec ces flèches ici. Vous voyez ? Comme ceci, comme ceci. Donc ça, ça peut être intéressant pour naviguer entre les presets et puis les écouter. Hein. J'aimerais également vous montrer une autre chose dans la Media B. Hein. Eh bien, c'est par exemple sur la fenêtre de résultats ici. Vous voyez qu'on a le nom, le rating, c'est-à-dire le vote, et on peut rajouter des étoiles. Le substyle, alors vous voyez que l'ascenseur ici, j'ai également le tempo, on peut redimensionner, hein. La signature rythmique, la subcatégorie, le caractère. Eh bien, en cliquant ici sur cette icône, on va pouvoir dire, eh bien, je veux en plus, par exemple, le nom de la librairie. Donc là, j'ai le nom de la librairie. Je peux choisir des critères musicaux avec, par exemple, eh bien, la tonalité. Bien sûr, je peux revenir et puis changer d'avis, comme ceci. Et j'ai même des paramètres de plugin avec les plugin name. Ici, Groove Agent. Donc là, vous pouvez vous configurer, si vous voulez, votre propre liste, comme vous le souhaitez, de résultats. Vous pouvez également faire un reset ici, des filtres, voyez, pour tout remettre par défaut, et l'on peut aller dans tous les agents. Et là, vraiment, c'est très bien exécuté, hein, si je veux un kit type hip-hop. Voilà, j'ai mes résultats, mais si en plus je veux que ce soit moderne R&B, vous voyez, j'ai ces kits ici,
Et n'oubliez pas, nous avons des choses intéressantes comme le tempo. Alors, c'est le tempo sur lequel a été enregistré le kit, mais quand vous allez le charger, eh bien, ces kits, ces patterns vont être lus au tempo de votre séquenceur si vous utilisez Groove Agent 4 en tant que plugin. Prenons par exemple celui-ci. Donc là, je suis à 120. Vous voyez, je passe à 112, au même tempo que le kit, sans aucun souci. Allons prendre, si vous le voulez bien, un nouveau kit. Très bien, on va prendre ce pattern, play. Donc là, on a la vue de notre instrument, mais l'on peut aller dans le mixeur. Et là, on a plusieurs choix possibles. On a le mixeur pour l'agent, c'est-à-dire pour les différents éléments de la batterie, kick, snare, hi-hat, tom, etc. On a les auxiliaires, 4 auxiliaires avec chacun 4 emplacements. On a le mix bien des différents kits quand on utilise plusieurs kits. Et on a le master également avec des effets que l'on peut insérer. Donc là, on peut faire beaucoup de choses, hein, régler les volumes de chaque élément. On a également la room et les overheads ici. Et on a même le kit mix. Alors vous voyez que quand je sélectionne une tranche, eh bien cela se met à jour au niveau des effets. On a ici le kick et on a un EQ type saturator que l'on peut activer. Compresseur et envelope shaper, donc ici dans l'equalizer. Là, je pourrais rajouter le type saturator, on l'active ici. Je peux prendre ma snare, rajouter un compresseur. Je peux prendre mes hi-hats, activer l'envelope shaper. Et bien sûr, hein, ça on l'a déjà vu, régler les volumes, mettre en solo, les panoramiques, et les envois, les 4 envois aux auxiliaires. Donc je pourrais me placer sur l'aux ici. Vous voyez que sur mon aux 1, eh bien j'ai une reverb. On peut la voir ici. Et je peux envoyer, eh bien, par exemple, mes hi-hats dans ma reverb, ainsi que ma snare. Je peux rajouter un autre effet.
Voici le principe d'utilisation du mixeur. Nous y reviendrons bien plus en détail dans la deuxième partie du tutoriel sur Groove Agent 4. Bonjour à tous et bienvenue dans la partie 2 du tutoriel sur Groove Agent 4 de chez Steinberg. Dans la fin de la partie 1, nous nous étions arrêtés au mixeur que l'on retrouve ici et j'aimerais vous montrer 2-3 autres choses que l'on peut faire dans le mixeur. Donc on avait vu qu'on peut traiter les éléments séparément ici, aussi bien des volumes panoramiques que des effets ici que l'on active ici, que l'on va pouvoir régler. Voilà, en sélectionnant chaque tranche, on a les différents effets que l'on peut activer, désactiver. Mais sur ces effets, on peut faire autre chose d'intéressant, c'est que l'on peut changer l'ordre des effets. Il suffit de cliquer sur un effet et de venir le placer. Et ici. Et ça, on peut le faire pour chaque tranche. Ici, nous sommes sur les éléments séparés de la batterie. On pourrait aller dans les auxiliaires et activer des effets. Donc ici, l'aux FX1 avec la reverb. On va pouvoir faire des réglages, changer par exemple les early reflection, mettre un peu de pré-délai, retourner dans nos tranches ici et dire je veux que ma snare passe par la reverb à un certain niveau grâce à cette aux 1. Et l'on peut, comme ceci, rajouter jusqu'à 4 effets sur l'aux 1, et puis 4 effets sur l'aux 2. Et envoyer nos éléments dans ces aux. Ensuite, nous accédons au kit, et si l'on a plusieurs kits de charger, vous vous souvenez, on peut mettre des effets directement sur le kit. Ici, on a un studio EQ et un compresseur à tube. Donc, pour avoir encore 2 autres effets. On peut bypasser les effets en cliquant ici. Enfin, on a la tranche master. Donc là, tous les kits passeront par le master et on va pouvoir également mettre des effets jusqu'à 4 sur ce master. Alors si l'on revient sur nos tranches, on l'avait vu, les muter certaines. Et quand on a plusieurs mutes, on va pouvoir démuter toutes les tranches en même temps en cliquant ici. Et pareil pour nos solos. «
Enfin, pour terminer avec le mixeur, on a des options de routing très intéressantes. Alors, on peut router chaque tranche, donc chaque élément de la batterie, en cliquant ici, vous voyez, carrément dans les aux, ou directement sur le master, sans passer par le kit. Ou, et ça c'est intéressant, si vous avez une carte son avec plusieurs sorties, moi j'en ai 16, eh bien router des éléments sur des sorties séparées, et pouvoir après, dans votre séquenceur, eh bien traiter chaque élément séparé de votre mix. On peut également le faire au niveau des aux. Donc là, ça va dans le kit mix, mais on pourrait directement choisir dans le master ou dans mes 16 sorties. Pareil pour le kit qui va par défaut dans le master, mais je pourrais mettre des sorties séparées. Donc là, ça peut être intéressant. J'ai tout mon kit qui pourrait aller en sortie 2, par exemple, et puis mon kit 2 qui pourrait en sortie 3, etc. Voici, nous avons fait le tour de la table de mixage. J'aimerais maintenant vous parler d'un mode très intéressant, c'est le mode jam, qui peut être utilisé soit en live par exemple, ou quand on veut créer un morceau en enregistrement. Pour ce faire, c'est tout simple, on va aller dans le mode pattern. Alors je vous rappelle rapidement, parce que ça on l'a déjà vu, hein, on a en vert ici les intros. Voilà, quand on clique dessus et qu'on laisse cliquer, ça tourne en boucle. On a le chiffre ici, eh bien, qui nous donne les temps. En rouge, on a les fins. En orange, on a les mains, avec différentes variations. En bleu, on a les fills. Alors vous voyez par exemple que si je sélectionne un pattern d'intro vert, ici dans les pads en mode, eh bien je suis sur Next. Je vais vous expliquer pourquoi. Sur les endings, je suis en jam state sur stop. Pour les mains, je suis en jam state tout standard. Et en bleu, je suis en jam state return. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que pour l'intro, une fois que l'intro est terminée, que nos quatre temps sont terminés, eh bien, cela passera au prochain pad qui sera en mode standard. Donc, par exemple, celui-ci. Pour les fins, on a stop. Ça voudra dire que quand ma fin sera terminée, eh bien, mon morceau, mon jam, ma session s'arrêtera. En mode standard, eh bien, c'est lu tout simplement en boucle. Et pour les fills, eh bien, on a le jam state return. Ça veut dire qu'une fois que le fill sera terminé, on retournera, eh bien, au pad précédemment sélectionné. Je vais vous montrer ceci. Pour activer le mode jam, on va cliquer sur cette icône ici, jam mode. Vous voyez que notre bouton lecture maintenant clignote comme ceci. Et je vais lancer mon jam session. Donc je fais l'intro. Et vous voyez, c'est passé directement à mon mode standard, pad. Je change de main. Je change de main. Je vais m'apprêter à faire un fill. Et une fin. Et ma jam session s'arrête. Donc ça, c'est des possibilités intéressantes. De plus, vous avez, pour vous aider, des petites icônes. Donc vous voyez l'icône en flèche ici, sur les modules verts. Eh bien, ça veut dire que mon jam state, il est sur Next. Ici, les icônes carrées, eh bien, c'est que mon pattern est en mode Stop.
Ici, les triangles type lecture, eh bien, c'est mode standard. Et les flèches, ici, c'est en mode return. J'aimerais maintenant vous montrer comment programmer eh bien, sa batterie dans un séquenceur. C'est en gros quand même le but. Et on peut le faire de plusieurs façons. La première, toute simple, eh bien, c'est de choisir un pattern, cette intro, de cliquer sur cette icône et de venir glisser-déposer sur notre piste MIDI. Puis de choisir un deuxième pattern et faire également un glisser-déposer. On peut également le faire directement du pad. Maintenant, je peux lancer la lecture. Alors après, dans nos clips MIDI, eh bien, on pourrait changer hein, le groove, le rythme, faire l'édition des notes, rajouter. La deuxième façon de programmer sa batterie, eh bien, c'est de créer, par exemple, un clip MIDI vide et de programmer des notes sur notre piano roll. Donc, on voit par exemple que pour l'intro 3, c'est la note A-1. Eh bien, je vais descendre en A-1. Ici, et programmer mon pattern. Après, je pourrais enchaîner avec C0. Etc. Construire mon pattern comme ceci. La troisième façon, c'est d'enregistrer directement et de lancer nos patterns avec une surface de contrôle, un clavier maître MIDI ou un drum pad. Je stoppe mon enregistrement et maintenant je peux lire cela enregistrer mes notes qui déclenchent les patterns. Nous avons en plus un mode performance qui est très intéressant. Alors voyez qu'on a eh bien nos main ici, quand on sélectionne un pad main, il est sélectionné ici dans l'onglet main. Si je sélectionne une intro, vous voyez que ça passe ici sur intro. Si je passe sur les fins, vous voyez qu'on est sur les fins ici. Et pour les breaks, eh bien, on est ici. Donc je peux changer mon bouton directement d'ici, hein. Revenons sur les mains. Nous avons à la droite un onglet, un pad qui va gérer la complexité de notre batterie, de notre pattern et l'intensité. Donc là, vous voyez, je suis en complexité 1. Donc cela peut rajouter des éléments, c'est des variations en fait hein, de notre pattern. On a jusqu'à 16. Et ici en ordonnée, on a l'intensité qui pourrait correspondre à la vélocité. Et bien sûr, on peut avoir des valeurs comme ceci, intermédiaire.
Et ça, ça fonctionne sur tous nos pads, hein. Sur tous nos patterns. Bien évidemment, quand vous changez la complexité et l'intensité ici, vous allez pouvoir faire un drag and drop eh bien, de ce pattern avec ses paramètres complexity et intensity. Mais nous avons également un mode assez intéressant, c'est le AC pour auto complexity. Et quand on, par défaut il est sur off, quand on clique on a un menu. On va pouvoir dire, eh bien je veux changer la complexité toutes les mesures, ou toutes les demi-mesures, tous les deux temps, ou changer la complexité sur chaque premier temps de chaque mesure, sur chaque premier temps et troisième temps, sur chaque deuxième temps et quatrième temps, sur chaque premier temps et quatrième temps. Prenons One Bar, par exemple. Vous voyez, automatiquement, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4. Essayons maintenant par exemple sur le 2 et le 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est également une fonction assez intéressante pour créer des variations sur nos grooves. Cela ne s'arrête pas là, car nous avons également une fonction semblable à l'auto-complexity, c'est l'auto-file. Donc ici on a toutes les deux mesures, 4 mesures, 8, 12 et 16. Prenons toutes les deux mesures par exemple. Donc si je lance maintenant mon pattern, 2, 3, 4, 1, 2, et mon fil. 1, 2, 3, 4, et mon fil. Donc je pourrais choisir toutes les 4 mesures. Première, deuxième, troisième, quatrième. On peut également rajouter un break. Première, deuxième, troisième mesure, quatrième. Vous voyez, j'ai eu un break avant mon fil. Nous retrouvons également une quantification. Et un swing pour ajouter un côté ternaire à notre pattern. Enfin, nous pouvons décider de la cymbale crash si elle apparaîtra tout le temps, uniquement sur les fils et les fins, ou jamais, par exemple. Pareil pour les hi-hats en type ou en shank. Et pour la ride en bell, donc sur le dôme de la ride ou sur les extrémités.